connecté. Oui, Pierre Espérance, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour tout et bonjour et qu'est-ce qu'il y a avec vous Oui, c'est matin, Johnny matin? Ferdinand. Oui, Johnny, comment y est? Johnny, bon travail, hein? En forme, en forme. Merci à vous. Et compliments pour occuper bandit légal, bandit à cravate, bandit à costume, et moun et qui met le pays dans l'état que après intimider nous. Continuez ce travail, non? Et faut que nous continuions. Et rôle nous, c'est informer, éduquer la population. Merci à vous, monsieur Pas occuper l'espérance. eux, faut que nous continuions ce travail, non? En pile Merci à vous. courage. Moi, je suis en pile, moi, en pile, moi, même menace. Et moun pas la pensée faire sous nous et lui rejoindre nous, et moi, ouais, ça, mais continuez de travailler. Nous, dans la même situation en tout, mais nous, on a continué de travailler, nous, pays à ces pays, nous, liés, nous sommes pas capables de draguer pays à bail et délinquants à eux, et qui mettent pays à l'état, il faut que nous continuions et former et éduquer la population. Merci un peu, Pierre Espérance. Nous comptons gagner un tout matin. Et entre autres sujets, nous allons pour nous aborder ces questions force qui a gagné pour arriver dans le pays très prochainement. C'est tout ce fameux dossier de Guy Philippe, donc, comme militant des droits humains, qui au même regard sur ensemble de sujets d'actualité. Donc, nous avons gagné pour nous parler de tout ça matin. Et son plaisir pour nous gagner. D'accord. On a commencé avec FOSS là. Ça fait pratiquement un an et 2 mois environ depuis pouvoir Ariel Henry a été formulé. On demande officiellement bon côté Nations Unies pour te permettre que gagne une force étrangère qui est arrivée dans le pays pour venir aider bataille, notamment contre question insécurité, ça qui provoquait des crises soulevées, notamment crise humanitaire aiguë. Eh bien, 1 an, 2 mois après, pays a still aptan, RNDDH, Pierre Espérance, et est-ce que nous gagnons une compréhension de cette question de force multinationale dans le pays par rapport avec problème d'insécurité? Et insécurité que nous avons là, je vous dis, sont insécurité d'État. C'est en 2018, les Haïtiens, yo, les Haïtiens découvrent le régime PHTK volé l'argent pétro-caribé. Au lieu que l'administration qui était là dans la période, c'était Jovenel Moïse et PHTK deuxième personne, au lieu qu'ils aient mobilisé acteurs dans la chaîne pénale, et la police judiciaire, BAF, et ILCC, ICREF, et paquetier, et puis mettre moyens à la disposition juge qui tenait pour enquêter sous et l'agent Petro-Caribé, régime PHTK volé, mais ça a fait, ils ont armé et gagné dans le quartier défavorisé, et c'est ça qui bon et bon à paquet de massacres. Et en 2022, nous avons compté, nous avons gagné environ 21 massacres qui fait et sorti novembre 2018 ou arrivé 2022. Mais je vous dis, nous n'avons pas compté encore tellement. Et c'est bon à paquet, nous avons quitté les zones où nous avons paquet déplacé et tout ça est lié avec la question pétro-caribé, côté que pour détourner la population et attention sur toute l'autre bagaille, mais pour nous capables de parler seulement des questions de sécurité. Qui donc? Et sécurité d'État qu'on a là, gang tout pouvoir gang yo gen gang civilisation pays a et c'est résultat et problème gouvernance absence état de droit impunité avec corruption pas aucune possibilité pour améliorer question sécurité dans pays a sous pas aborder problème gouvernance sous pas aborder absence état de droit si yo pas aborder impunité avec corruption. Et nous prenons un exemple. En novembre 2000, jusqu'au mois de novembre 2021, la police nationale, là, effectivement, il y a plus de 16 000 policiers. Jodi a payé 10 000 policiers. Côté policier, yo mette en situation une insécurité en institution. Hein? Et autorité étatique, yo pas
et protéger eux, particulièrement ces peines. Et hiérarchie la police là et pas protéger eux. Et si là yo qui a bandi et qui a boumé contre gang yo et là yo arrêté gang yo et ben yo joine de paquetier commissaire gouvernement et juge qui libère yo sans aucune forme et procès et qui vient mettre la ville et policiers yo en danger qui donc la justice haïtienne là joue un rôle extrêmement important dans sa nouvelle journée aujourd'hui, dans le climat impunité, dans la gangstérisation du pays et dans la corruption. Pour donc insécurité et phénomène de gangstérisation qu'on vient aujourd'hui, c'est résultat problème gouvernance, impunité, corruption. Pour améliorer la question de sécurité et pour aimer, faut que l'institution fonctionne. Faut que la justice haïtienne n'a pas dans l'état de hier. Faut qu'on parle au commissaire gouvernement qui équipe qui l'a metté dans la guane qui décide pour tuer mon l'air ouvré, qui a exécuté le monde. Faut que l'air a poursuivi le monde qui commet ces fractions. Faut que la justice là capable de décider et de protéger la société et faut qu'il fasse sa force côté. Et comment. C'est, même si c'est vrai, effectif police là, il diminue considérablement, mais dans le moment qu'on a parlé là, après 2013, et c'est la première fois que la police a mis tout l'équipement à eux, blindé, et véhicules, motocyclettes, etc. Mais nous sommes capables de voir tout le territoire perdu. Et côté que, ou là, et dans la zone métropolitaine là, ou pas capable de déplacer pour aller dans l'autre et département. Et qui donc, si pas de connivence avec Gagnon, Gagnon n'est pas aussi puissant comme ça. Et l'organe Gagnon dans la zone métropolitaine, il fait ça au gré. Et il prend la mer, il allé dans la zone côté des académies, il y a les organes, il pille, il fait ça, il veut tourner, pas aucun monde qui pas fait face avec aucune résistance. Et c'est même bagaille, il aussi qui les côté ouvrier, il kidnappé, il violé, il fait ça ouvrier. Donc toute bagaille ça a fait une connivence avec hiérarchie et la police, particulièrement la direction générale de la police avec CSPN. Et dans le moment que nous avons parlé là, l'État continue à débloquer l'argent pour alimenter Gangyo. Des mouns ailleurs là, en 2017-2021, qui t'a dénoncé banalisation de la vie monde, qui t'a demandé pour l'unir faite sous pétro et sous l'argent pétro-caribé que vous volez. Eh bien, je dis, il y a des mouns qui n'ont pas poste clé dans l'État. Et que y a pris l'argent pour voir les gens. Donc, pour y là, son gros déclaration fait là, monsieur Espérance. Vous dites des mondes actuellement là qui n'ont pouvoir ça, qui continuent à financer gang. Oui, oui, oui. Ça m'a dit pour yo capable qui est pouvoir yo. Pour yo capable d'être sous pouvoir yo. C'est ça, c'est fin ça. Pour yo capable qui était sous pouvoir yo, yo misé sous gang yo et pour et les montent le conseil électoral yo. Et puis qu'on a c'est l'agent kidnapping, l'agent drogue, l'agent sale qui pourra aller dans l'élection. Et l'État, comme Gagnon, c'est eux-mêmes qui contrôlent le pays, mais Gagnon, c'est eux-mêmes qui ont décidé qui est qui pour député, qui est qui pour sénateur, qui est qui pour magistrat. Bon expression et bon proverbe qui dit, et ou pas qu'à mettre chaque. Et mais dans ce cas, ça veut dire qui ça? Même Mounzaro qui a pas alimenté Gangyo, et puis c'est eux-mêmes qui prennent interlocuteur et force qui parle de là. Et puis, comme si là, pour Haïtien penser que l'orgueil 6 000 policiers qui allaient, et pour que 1 700 mounes et qui a venu, et puis on va résoudre les problèmes
et sécurité qu'on est là, et sécurité d'État, et c'est autorité. Je parle de 5 000. Pierre Espérance, je parle de 5 000. Maintenant, il te met 10 000. Tout autant qu'on n'a pas de problème, même si 2 000 ans, c'est par rapport avec la quantité Kenya a dit à Baye. Bon, même si on était 5 000, il y a vu là, mon cap et interfaction qui interlocuteur, c'est CSPR, non. C'est Dieu, c'est général la police qui là, qui a une machine la police qui n'a mis dans le crasse barrière. Qui n'a mis l'autre dans, et que ou pas pour mettre un souci de la police, pas bien aucune note qui dit que qui met met telle machine policière, c'est perdu dans tel moment qui est dans le prendre. C'est parce qu'on a connivence avec bandit, ou pas mettre chaque élément. Donc, insécurité, à son insécurité d'État, c'est impunité, hein? Problème gouvernance, hein? Absence d'état de droit qui va où insécurité qu'on est là. Mais c'est inquiétude nous gagne, monsieur Espérance. Bon, bien que, en partie, vous avez essayé d'expliquer ça là. Donc, pendant ou dit, y a des monde qui n'ont pas pouvoir ou bien qui n'ont gouvernement ça, qui continue à financer gang, mais du même coup, moi, ouais, c'est même pouvoir ça qui a fait promotion et pour Force l'Avenir, qui croit que je dis à Force la capable d'aider et résoudre bon. Les problèmes que nous avons là, sur le plan sécuritaire. Ok. Mais, n'y pas l'autre bagaille. Force la Vigny, pouvoir vraiment des gangs, et font camper parce que c'est les pour les et pendant et là ouais gang a fait exécution a théorisé a kidnappé les pouvoir voyer comme bayo idio font ils lever pied sur accélérateur a mais au fait oui qui ça va passer et force va venir et puis y a entendu avec gang yo et yo capable permettre que pour monde capable continuer à s'étiler en un pays, mais problème dans le quartier défavorisé, au côté gang, au contrôle, pas résoudre. Et puis c'est gang qui prend le bas ou élection, prend le bas ou tout le bagage. C'est ça, oui, c'est ça lié. Non, mais bon, si, donc, Pierre Espérance, alors, si vous gagnez, alors, si pouvoir gagner autant d'autorité sous gang, pour le dire, font si camper, pour qui ça l'obliger à faire appel à force pour venir. Et puis, c'est là ça va demander au fond de campé. Et pendant que, dans le moment, ça va demander au fond de campé, il y a possibilité pour l'élection faite. Elle dit même demande ça va toujours faire sans présence forçant. Gang yo, il y a une autonomie autour, il y a un pouvoir alimenter, et gang yo pas de l'autre bagaille, il y a même, il y a un état faible. Pourquoi vous avez l'argent? Et constamment, les gens ne sont pas comme, ils ont fait kidnapping. Les pouvoirs entendre avec eux, et nous avons un exemple, ou pas, jamais, depuis que l'autorité n'a pris au niveau de l'État, nous allons au côté, soit échange de masse, soit n'importe côté, ou pas, on pétard et tirer. Et eux-mêmes, ça vous fait, ils ont besoin qu'une situation en janvier pour avoir une apparence, gagner une sécurité dans le pays avec les gens. Et capable et s'équiler avec force. Et puis, laisse ça, c'est gang yo qui pral baou, élection qui pral dit moun yo, mais qui moun pour voter. Mabdou bagay. C'est pas quoi moi quoi, il y a possibilité pour désarmer gang yo avant élection. Mais souvent l'État qui prend route gouvernance, qui prend route état de droit, qui met ressources l'État à rien, ils ont mis à la disposition de la population. Ils sont présents dans le quartier et défavorisés. Ils sont présents dans le quartier côté gang à contrôler. Gang n'a pas de l'autre bagaille, ça y a fait. Il y a obligé de courir. Même si on courait avec Zamio, il n'y a pas le cacher. Même les dit, Mabdou, et pouvoir ça qu'il a, les gens qui ont mis ces pays en Italie, nous avons mis plus mal et sous Jovenel parce que. C'est à partir du 1er juin 2021 et nous avons une zone matissant qui était bloquée partiellement jusqu'au mois de novembre 2021, nous étions capables quand même passer, même si c'est difficilement, même si c'est risqué. Mais je dis à côté n'importe où, nous ou pas capable d'aller dans aucun autre département si c'est pour un avion plein. Et c'est son pouvoir, ça y est. Et ils ont besoin qu'il y ait des situations. Janvier, avec une solution cosmétique, avec une forme. Et sécurité et qui permettent que le monde soit capable plus ou moins de ce qu'il est, mais le monde qui prend le contrôle, machine électorale, là, appareil électoral, il n'y a pas l'autre bagaille, c'est dans le monde. Pierre Espérance. Parce que pour moi, dans la connivence
avec gang yo tout autant que pays a pas prend route état de droit pas prend route gouvernance dans bataille contre impunité dans bataille contre corruption dans démarquer au compte délinquant trafiquant drogue voleur kidnapper et mes pays et pas de progrès qu'a fait dans question sécurité dans pays et toute solution pas solution cause Pierre Espérance Bamado et fait cet exercice ça par exemple jodi là nous dans niveau organisation droit moun yo nous répertorier combien groupe de gang par exemple dans le pays hein. c'est pas des chiffres ça en tête et puis premier et puis Mabdou si jusqu'en 2021 c'est une organisation qui au niveau de la police de CPJ ou bien d'autres au pas en pile qui était capable de répertorier gang journée aujourd'hui a dit complètement impossible pour faire ça pour qui ça c'est parce que par nous côtoyer et par gagner et yon gang. Par exemple, jusqu'au mois et juin juillet 2021, gang yo dans zone yo te contrôlé zone métropolitaine entre 35 à 40%. Mais yo di a c'est 90-95%. Comment moun capable yo di a pour abri ou répétoyer étant des gangs. Même la police qui n'a pas les chiffres ça. C'est pas possible. C'est seulement pays a tellement nous livrer. Oui, non, c'est pour... Alors, question maintenant, c'est pour finalité, question maintenant, c'est pour Tamado. Madame, est-ce que pouvoir, ça qui vient là, il y a contrôle tout groupe gang qui a opéré dans le pays, hein? Ou bien on partit... Je ne sais pas, dit dans l'interview ça, dans sa map bio, que la pouvoir bien contrôle tout gang. Mais, il y a deux gros gangs qui ont opéré et des coalitions gang qui a opéré dans Basio, Siège, c'est dans la zone métropolitaine nan, et il y a des ramifications dans tout le pays. On a parlé de Genève et Allié, et puis GPEP, et il y a tout dans le cours avec pouvoir et particulièrement PHTK. Est-ce que c'était toujours comme ça? Parce que GPEP là son bah quoi GPEP avec GPEP et puis G9. Vous pensez que vous avez même non. Administration Jovenel Moïse, là, il a été renforcé G9. Et c'est les G9 et allié ces gangs PHTK. Et j'ai peur lui-même. Non, attends. Vous posez une question, je vais vous répondre maintenant. Je vais répondre à une question. Oui. Et j'ai peur qui crée et allié, G9 qui nous crée. Mais chef PHTK, chef PHTK, les deux contrôles, GPEP et GNF. Pas oublier, c'est Joseph Michel Matéli, l'élu président, qui libéré Gabriel en prison. OK? Et donc, l'équipe qui est là, qui est au pouvoir, ils ont alimenté tous les gangs. Et là, il y a besoin de lever pied sur l'accélérateur, il y a fait. Mais gang yo tout, il y a une certaine autonomie et on n'est pas capable de dire que il y a un contrôle total et gang yo parce que l'État n'a pas capable jamais de contrôle total gang yo parce que gang yo a un grand bagage livré et il y a un État qui est faible et qui est capable de faire ça au vrai parce que même yo même tout. Qui sous pouvoir et gagner un environ la zone et particulièrement pour consommation internationale bon côté pas arrivé. Et si par exemple on apprend un grand concours casse barrière avec Vite l'homme innocent qui l'ensemble déclaration lui qui a cité de monde que il était en réunion avec yo qui était en opposition à équipe Jovenel Moïse là par exemple. OK. Moi, je et nous souhaitons que la police prenne et vite l'homme vivant. Et là où pour inviter l'homme, moi, je crois qu'il y a un peu de monde, je ne le dis pas, qui n'a pas pouvoir ça après l'assassinat de Jovenel Moïse et qui était. Dans la connivence avec Vite l'homme. Et Vite l'homme de contre-travail pour eux. Et Gayel tout qui était dans la réunion avec Vite l'homme,
et pour question et sous question assassinat Jovenel et Moïse. Ça, ça, et... c'est des monde qui est en face de Jovenel quand même. Oui, oui, oui. Vous connaissez, vous connaissez, ça m'a dit. Vous posez une question quand même. Vous connaissez. Non, non, mais c'est une information. Guerrier, c'est un lieu, bête là. Guerrier, vous connaissez. Où est l'information? Nous gagnons, guerrier. Nous gagnons. Haïti sont plein, mais tout le monde connaît le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît le monde qui est actif et la politique au souterrain ou bien dans différents secteurs. Nous avons une activité. Nous avons ça à faire. On avance Pierre et sur sur guerrier. Oui, sur vite l'homme. Donc vous que souhaitez pour inviter l'homme. Non, vite l'homme sont proches et actuel directeur général de la police, je suppose nous compte ça. Et c'est pas sans raison tout que OLB baille et vite l'homme dans Kazeka et Grand Kazé Bali à quatre communes dans zone métropolitaine là. Et Bali, Bali. Oui. Mardi Bali à midi. OK. Mabanoui, exemple. En février 2022, il y a un commissaire et police qui était affecté dans DAP, qui est direction administration pénitentiaire, qui mourit dans la zone tabac et c'est gang et vite l'homme qui était exécuté. La police a pris disposition pendant un bon bout de temps. Ils ont forcé gang crasé ba y arrêté dans fief yo. Yo barré avec conteneur, yo metté et blindé. Mais on vient ouais tout, c'est même année 2022, hein, dans fin année 2022, c'était autour de mois d'octobre comme ça, m'pas sûr. Et en septembre ou bien octobre, quoi c'est octobre. Gagné et directeur académie police qui exécuté. Et toujours yo indexé gang et crasé ba y. La police n'a pas fait rien. Pas aucune possibilité pour éviter l'homme à faire tout le bagage dans quatre communes, s'il n'y a pas de connivence avec le directeur général de la police. S'il n'y a pas de connivence avec certains éléments dans la hiérarchie de la police. D'ailleurs, dans le cortège, il y a la sortie, il y a une machine officielle, il y a un service de l'État, et puis il y a tout, alors officiel, il y a tout, et une machine de la police avec lui. Et qui l'amène? Et vite l'homme sur super chef. Oui, donc et il déplace là les côtés. Et gain gros côté et tout et marché officiel qui ont débarqué et qui n'a fierté à rencontrer et avec lui. La détail c'est chaque mois un paquet de cobra débloqué dans trésor public là pour question et intelligence sur les renseignement. Et yo tout connaît et yo pas grand bien. Bien pile gros autorité dans l'État là, gros chef, que vite l'homme pillé caillou, bah lui tout c'est pour même raison à nous, soit dans la justice, ou bien gros autorité dans l'État, bien tout vite l'homme pillé caillou, c'est par rapport avec et proximité que vous tenez avec vite l'homme, Jovenel Moïse, et je vous dis à vous venir occuper des gros fonctions dans l'État. Et vite l'homme estimé que il pas servi avec assez, il pas mal assez. Et vite l'homme il y a quatre communes, et nous décidé commissaire c'est Pétionville, Delma et Tabar avec yon parti dans quoi les bouquets. Et par exemple, alors récemment nous avons eu un chef gang dans la cité Soli et qui mourut, Iska. Et c'est lui-même qui était numéro 1 et Genève. Contrairement avec ça, mon d'avance, c'est Babécu, c'est pas Babécu qui était numéro 1 Genève, c'était Iska. Mais avant. Babécu, c'est votre parole là. C'est Babécu qui était voir. Oui, mais avant la mort et Iska, c'est une bataille en Genève et avec Genève, et parce que c'est une. C'est un chef gang Genève. Avec Genève? Non, c'est une bataille en Genève avec Genève. En Genève avec Genève, ok. Oui, et puis c'est un chef gang Genève qui mourut. Après la mort Iska, Genève a bataille Genève, et puis j'ai fait bien entrer dans la bataille là tout pour prendre quelques territoires qui Iska avec moi. Et gang et
nan kwa di ouke, koumou le, krashe di fe, nan kwa de bouke, la police nationale. On parle de Chemisha? Chemisha, excuse-moi. On parle de Chemisha? Yeah. Oui, excuse-moi. Caché d'Ife, c'est dans la zone. C'est en bas la ville, là? En bas la ville, là. C'est dans... C'est sur l'autre côté, oui. Et Chemisha. Mm-hmm. Et la police nationale, là, grand bandit, sous l'ordre et directeur général de la police, là, ils ont mis dans blindé la police, là, pour... à attaquer notre gang et Genève. La bataille Genève avec Genève. Sam Abdoulah, là, c'est bagaille qui fait dans le mois de novembre, là, début novembre. Et c'est même bagaille là, tout la police a fait et dans Tibonite. Qui donc, en plus, on a parlé des questions et force qui pourrait venir, ou pas capable d'améliorer les questions insécurité, ça, et gangsterisation pays a. Et puissance dans nous avec et actuel directeur général de la police. Il y a une raison qui fait, ça ne fait pas dire que LB est plus mal passé et c'est plus mauvais directeur général de la police passé, c'est parce qu'il y a une qui est impliqué dans l'assassinat du président. Je m'a parlé de Léon Charles. Ouais. Ah, monsieur impliqué. Il a tout dans l'assassinat. Au cas des juges là, juge là, vous courez l'eau, Pierre. J'espère que vous avez l'eau. Il veut le mettre quand il veut le mettre tout en rien. Il m'a même. D'accord? Et après, il m'a rien. Et l'emdal ou elle m'a dit. Et il m'a rien tout. Par contre, elle a fait avec Léon Charles. Moi, elle a protégé Léon Charles. Oui. Donc, dans le. Il y a une protection des autorités au niveau de l'État. Dans la police, ça ne veut pas dire que le directeur général de la police ou bien CSPN n'a pas contrôle tout le gang dans le pays. Ya, non, il y a un contrôle à 100% Genève. Et j'ai fait non parce que le gang est notre premier. Mais il y a un premier face avec eux, il y a renforcé eux, il y a débloqué le front dans les pays là-bas pour affaiblir les policiers. Et c'est ça qu'on voit les policiers, ils n'ont pas de vérité. Il y a des policiers qui sont sous Biden, qui allaient au Nicaragua ou bien qui allaient dans la République dominicaine, qui quittent les institutions. Oui. Et pour y attendre les Biden, ils tombent, oui, tellement ils ont des sécurités, oui. Et puis, qu'on y a assez sous, et des trois mouns, ça, quoi, il y a même mouns qui créent des sécurités, et puis c'est eux-mêmes qui prennent, et qui prennent, et orientent mouns, c'est eux-mêmes qui prennent travailler avec eux pour résoudre les problèmes et sécurité qu'on y a. C'est ça. Pour exécuter monde, donc je suppose que vous avez fait référence à commissaire Muscadet. Donc, bon, bah, je dis à mon capitaine d'attaque à répondre. Muscadet, il y a un comportement, ça, c'est par rapport effectivement à toute sorte de dit qui gagne comme problème, parce que non pays qui a fonctionné normalement, j'aime toujours dire, non pays côté institution qui a joué rôle, non pays côté l'État qui a comporté comme tel, Muscadet, pas jamais fait ça. C'est parce qu'effectivement, nous avons une anarchie totale et que gang yo gon laisser aller. Donc, n'importe qui yes qui a des capacités pour temporiser gang yo ou bien pour mettre de l'eau dans du vin, le peuple a toujours pris comme un chouchou, comme un sauveur. Et je dis, c'est certain, si on ne parle pas Muscadet mal, le peuple a pour mal tout. Donc, est-ce que là, Muscadet, si tu es un pays qui a fonctionné, pas ta, et comporter le jeune tableau comme commissaire du gouvernement? Et. Monsieur Abdelouvaï, nous très jeunes, nous c'est avenir et la presse là. Et même si nous-mêmes nous venons dans quoi, et nous prêchons un bagage, et même si nous pour contre nous, et depuis ça n'a fait, c'est ça la loi dit, c'est pour nous dire, c'est pour nous faire, et même si des gens qui a plaisé, et contre nous, et puis devant, il y a après ça, et puis après ça, il y a banon raison. Et un commissaire gouvernement,
li gagnent un paquet de pouvoir dans menu parce que c'est chef ou suite lui dans et juridiction côté hier li doit gagner la loi comme boussole et si li prend la loi comme boussole la baille plus bon résultat que ça la faire et au lieu que li mette là avec bandi les amis légal dans menu et li fait une alliance avec Genève n'a pas les de Muscadin et puis on y a pour la demander de pour attaquer l'autre gang. Non, ou dit fait alliance avec G9. Ah. Bah grave dit là. Comment expliquer alliance ça, monsieur Spiras? Et m'a dit non. N'importe nous même enquête que nous fait, dans information que nous gagnons, gagner bandit G9 qui dans sécurité Muscadin et même si on Muscadin était un bandit G9 en flagrant délit avec n'importe zam, n'importe bagarre dans main, il pas et arrêté. Et commissaire a parlé là. Son nèg qui bat maman lui. Commissaire a parlé là, il gen frère, il gen famille qui pas parler avec lui pour attitude délinquant lui. Donc mais de qui ça n'a parlé? Commissaire a connu là. S'il te veut combattre sécurité et n'en protéger population, il va pas appliquer la loi. Laisse ça ensemble avec notre juridiction. Et l'autre mon acteur dans la chaîne pénale là va parler la police avec et juge et puis et doyen il t'a monté task force et puis il t'a dit zéro tolérance pour et bandit dans juridiction par là qui donc et les t'a pas arrêté un bandit il t'a mis dans la prison il a appliqué la loi et qu'on y a pas de substitut ou bien juge de paix ou bien et juge d'instruction qui capable libérer lui et libérer yo et il t'a bail plus bon résultat que ça et l'a fait là ça l'a fait là son bagaille c'est délinquant et gain en plus innocent qui nous même nous gagne des témoignages gagne des plaintes n'a monté et un dossier et mon capable de dire c'est parce que il y a un proche qui victime ou un proche qui victime et dans ça délinquant ça qui n'a pas paquet ni à Guadeloupe fait et puis laisse ça il a comprendre ça n'a pas dire comme ou pas capable autorité pour doit combattre sécurité et puis kounia c'est pas la loi appliquée c'est dans exécuter monde et ça pas existé aucun côté et ça l'a fait et pas oublier et chef du cabinet de justice là et avec le premier ministre c'est parce que d'accord avec ça l'a fait et qui fait il a continué donc nous ça tout nous considérons comme monde et qui n'a banalisation la vie monde qui n'a violation des droits monde qui supérieur hiérarchique qui par exemple et d'initier camper et appliquer la loi et non appliquer la loi ça bon plus bon résultat que ça pour faire là. Oui Pierre Espérance n'a pas fini avec ça mais il y a monde qui attend là que ce soit dans le département de Nipla que ce soit dans l'autre côté de pays ou bien à l'étranger qui dit aujourd'hui là si une zone qui plus ou moins safe là que bandit pour qu'on prenne contrôle lui ces zones ça n'a pas l'air donc ça veut dire qui ça porter l'état lui-même comme tel pata rétabli. Mais ça dit bandit pas. D'accord. Il y a bandit pas. Bon. Ça la peur là c'est des bagages cosmétiques et la paix et les par exemple il y a des autres bagages qu'il voulait faire lui vraiment lui met bon par le dehors et puis là ça et il y a comprendre ça m'a dit là et qu'il y a des monde tout et qui est proche aux victimes qui pas rien à voir avec question bandit et il y a comprendre ça m'a dit. En tout cas sauf que il y a des monde qui a dit carrément monsieur Espérance je dis à Sine Vlé. Eh bien, Muscadin agit conformément à la loi. Faut que l'État lui-même dégage, prend disposition qui nécessaire pour faire eh bien la paix, bien sécurité, rétablir l'institution joyeux et que les ça Muscadin lui-même a toujours paraître et comme j'en ai expliqué là, il laisse à prendre disposition légale contre lui tout. Mais tout autant pas gagner et institution cap joyeux lieu, pas gagner l'État qui fait ça le doit faire, qui s'y prend. Et toute mesure pour sécuriser vie avec bien. Donc, chaque monde qui comporte le comme Muscadin dans une série de zones de pays, la population apprend pour sauver. Nous allons passer. Non, ça ne va pas passer comme ça. Non, moi, je regrette ça. Je dis
si c'était brigade et vigilance ou bien des monde dans population qui organisé on a dans ça nous parler bois carré qui a fait ça les ça nous avons encouragé commissaire gouvernement la police la justice et fait travail pour nous capable de confiance dans l'institution pour capable bailler résultat mais laissez un acteur et dans chaîne pénale là une autorité un commissaire gouvernement qui a tout pouvoir ça qui capable bailler plus résultat dans ça qui pas n'appliquer la loi là la exécuter mon et puis pendant ce temps il y a propre gang pas il y a des gangs là la protéger moi mettez un mais mettez mon dans défi pour dire qui côté dans constitution et nous et que nous là qui en vigueur constitution 1987 amendé qui bail une autorité de droit pour y décider et sur la vie mon j'ai affaire donc c'est la loi qu'on appliquer moi dit mais bail des exemples moi dit commissaire capable bail plus résultat puis bon résultat s'il a appliqué la loi m'a pas parlé d'autorité m'a pas parlé d'un groupe pour nos populations et par rapport avec connivence l'état et avec bandi et qui a protégé tête qui a fait ça n'a pas parlé d'autorité ça l'a fait pas les droits et fait chemin bouton c'est chemin maligne mon capable dit jodi a des messieurs veulent un groupe pour victime il y a bien crié la radio Caraïbe il y a bien crié dans RNDDH. OK, monsieur Espérance, nous pourrons passer dans l'autre dossier mais avec transition ça pendant n'a parlé de insécurité a gagné Guy Philippe ancien chef rebelle en 2004 qui retourné dans pays a après le fin purgé de 6 ans aux États-Unis d'Amérique pour blanchiment l'argent qui gain pour la question drogue. Eh bien, monsieur Ali même dans première déclaration il a annoncé la couleur il y en a d'un il dit le prend un coup de main ou bien le paraît pour bailler un coup de main dans en question et solution à chercher vous voulez mais sécurité a lui même parler de ressources qui est disponible dans pays a pour pays a résoudre les sécurité ça n'a pas besoin et compter sous blanc il dit gain force la médaïti il dit gain la police il dit gain BESAP ou même avant arriver sur ça qu'a fait débat sur question Guy Philippe dame même mando comment ou même comme dirigeant de défense et de d'organisation de défense des droits humains ou recevoir déclaration ça ou tendez paroles ça yo bon et Guy Philippe et qui c'est un trafiquant de drogue et qui a blanchi l'argent sur territoire américain avec question de drogue yo l'élifine élu sénateur en 2016 en janvier 2017, quelques jours avant le prêter serment et dans le Sénat, il était déjà annoncé la couleur, et côté que il était gagné des mouns ou bien des institutions qui étaient dans les collimateries, particulièrement des CPJ, des LTS, parce qu'on connaît que le grand pile dossier soumis, et sous question. Et complètement délinquant, attaque qu'elle fait sous la police, policier qui mourit depuis 2004 et 2016. Et Yovine a arrêté lui. Et c'est des CPJ qui a arrêté lui avec DIA et tout le monde était capable de voir l'image et l'humiliation. Il était fini, les mené aux États-Unis et l'arrestation ça a été faite à partir d'un mandat qui était là depuis plusieurs années de un juge et Miami et les monsieur les diffusés aux États-Unis et lui collaborer avec la justice américaine lui reconnaître lui était dans drogue avec blanchiment l'argent sur territoire et américain lui plaider et coupable, il est jugé là et pour ça il est jugé là c'est un crime et il est assez peine affective et infamante et constitution pays qui est en vigueur et si nous voulons prendre des droits qui par exemple article 70 alinéa 2 de la constitution qui dit que pour capable de briguer un poste électif, et bien, pour que par exemple, condamné pour une peine affective et infamante. Et c'est même bagarre là, article 91 alinéa 3, et
96 alinéa 3 et pour et député et sénateur et président. Tout, et pas président, c'est article 135 alinéa 3. Qui donc, la constitution, elle dit comme ça, et peine, article infamation, il n'y a pas dit comme ça que c'est en Haïti pour juger. C'est de pour condamner pour peine, ça, quelqu'un soit côté. Et il était condamné là. Et bien, ou politiquement, ou cadavre, ou perdu, droit, civil et politique. Maintenant, bandit légal, particulièrement PHTK, il y a côté, et tout le monde capable, disposition qui prend, bon côté pouvoir, et la primature, et une complicité ça, et côté que, ouais, avant de finir, bon travail qu'a fait tout à l'heure, côté que, et ça puis après ça les lits et il y a fait recrutement et tout bagage ça c'est avec complicité gouvernement coalition qui sont au pouvoir et pour et tout définir particulièrement PHTK et litoune et ouais et bien un peu moins content PHTK un paquet de bandits légal tout et l'autre monde qui est content, même ma baye Guy Philippe au conseil. Guy Philippe, un pile qui jugeait aux États-Unis pour drogue, blanchiment d'argent, il y a un pile, ancien directeur général de la police, ancien chef de sécurité Jean-Bertrand Aristide, ancien sénateur, et ça qui tournait, il était tranquille, il y a là. Mais ça qui paraît tranquille, même mon capitalisé yo, yo fait complot, et même mon capitalisé yo, yo fait complot, après ça, yo disparaît yo, ou bien patende à rien sous yo. Et Guy Philippe, et il y a plus passé 50 ans, je ne veux dire. Même pas c'est Guy Philippe qui a été en pile, et pour jeunesse, dans le département côté lié, et il était droit pour mon travail, éducation avec yo, pour parler des comportements délinquants, qu'il était gagné, les commissaires de police, qui étaient dans la drogue, et il tournait après 2004, il continuait à attaquer institutions, attaquer les policiers, il est capable de faire travail ça. Et pour nous, je ne pas gagner même comportement avec. Mais, et nous capable de nous dire, Guy Philippe, et j'en vois qui se lève en bandana, c'est eux-mêmes encore qui pourraient faire complot. Et contre lui, c'est eux-mêmes encore qui pourraient la guerre. Et Haïti, c'est un pays qui a fonctionné et de façon et isolée. Et qui donc, on n'est pas capable de faire des crimes dans notre pays, ils ont condamné dans notre pays, Et puis, nous arrivons en Haïti, pour nous revenir, on fait monde moral, on fait monde, parce qu'on est la loi, et comme quoi, et c'est eux-mêmes qui pourraient changer le pays. Mais on délinquant, pas capable de changer le pays. On bandit, on trafiquant de drogue, pas capable de changer le pays. Il y a un rôle, il est capable de jouer. Celle qui est capable de jouer, c'est changer le comportement. C'est pour reconnaître que ça le fait. Il n'est pas bon, mais il n'est pas capable de penser lui-même comme quoi il est capable de faire ça, n'importe quoi. Mais attention, hein, ça l'a fait, il y a une complicité, autorité dans le haut niveau, dans l'État. Et il a rappelé, et environ 2 mois avant que Philippe et tourné, où est mon paquet et travail qui a fait tout terrain avec BESAP, parmi les gens qui ont tête BESAP là, et Guy Philippe est élu sénateur en bannière et parti sous bannière parti politique. Donc, et c'est avec complicité autorité au rappel. Mais c'est même autorité ça encore, et au même qui pourra le vendre Guy Philippe, c'est au même qui pourra l'arrêter, c'est au même qui pourra relivrer encore, c'est au même qui est capable de faire n'importe bagarre. Donc, monsieur Spiras, c'est n'importe bagarre avec les gens qui parlent. Monsieur Spiras, c'est complètement ça à expliquer là. T'as gagné un lien et toi un rapport direct, si une cas de comme ça.
entre Guy Philippe et Brigade Sakiri les Bessapla au niveau de ANAP, l'international d'Azerbaïdjan. Mais ça, c'est pour Guy Philippe le travail. C'est Bissapla qui l'a fait pour Guy Philippe. Non, qu'on y a là, à quelle fin? Est-ce que qu'on y a là, nous capables d'espérer où Guy Philippe encore et dans le moment où là, dans tête un groupe paramilitaire, soit bouger ton gouvernement ou bien pour faire qui ça? Oui, délinquant. Guy Philippe, c'est de ça. C'est dans ça, lui, plus confortable. N'en fait pression, n'en drogue, n'en fait ça, pas ça, et n'en fait pression, n'en fait menace. Et là, elle tourne là avec toute arrogance que les gens ont, les prêts pour continuer à faire ça. Mais moi, je dis, c'est pas même Guy Philippe pour te gagner en 2004 pour arriver 2016. Guy Philippe pour te gagner en 2004-2016, Guy Philippe pour te juger. Pour question de drogue. Il peut juger pour blanchiment d'argent sur le territoire américain. Et qui donc, Guy Philippe, et on grand conseil de Gabali, c'est mettre corps dans le petit coin. Il n'y a pas fait lui. Mon ne peux pas encourager lui, on ne peut pas parler pour lui, on demande des gars qui ont des problèmes avec la justice, bien, et la justice américaine, tout problème, et cap dire que lui capable candidat il pas perdu droit civil et politique, c'est pas vrai. Et c'est au même encore qui prend la gueule, il a utilisé mais après ça il a pris la gueule, et c'est au même encore qui va faire complot contre lui. Oublié non, c'est l'État haïtien à travers le ministre qui s'est gagné dans le pays là qui signe un papier, et c'est la police qui a arrêté lui et qui signe un papier qui fait et ministre qui était là qui voyait la aux États-Unis, et ils reconnaissent que monsieur est dans la drogue et dans le blanchiment d'argent. Si nous comprenons bien et sans expliquer nous là, et monsieur Espérance, donc, ou tout positionner clairement dans le débat qu'a fait sur l'éventualité pour Guy Philippe de participer dans quelconque élection d'un pays. Donc, Guy Philippe perd du droit civil à politique, du coup, Guy Philippe n'a pas participé dans aucune élection d'un pays. Si nous comprenons bien. Et c'est pas moi-même qui fixe ces positions. Non, m'a dit par la loi et dit, m'a bien avec une autre qui référence pour. Et en 2000, dans l'année 2000, Nations Unies est venue avec convention sous question crime organisé. Et Haïti, le 19 avril 2011, et Haïti a ratifié la convention. Mais le crime organisé, il n'y a pas de c'est pas seulement et Haïti. Et si Haïti était un pays qui est capable de faire ça, et Nations Unies par la Bina, il y a une résolution, il y a une résolution et sous question et crime organisé et gang, etc. Et puis, il y a une mettre un comité et sanction campé, comité avec un panel là et un rapport, et puis et chef bandit illégal PHTK. Et c'est lui-même qui numéro un dans le rapport qui est indexé. Des bagailles qu'on a dit, qui dans le rapport de CPJ. Et quand la justice haïtienne a été dit, et dans le commencement, il joue un rôle important dans le thème climat, impunité avec corruption et sécurité dans ces agents de pays. Qui donc, les crimes faits, ils ne pas occupés. Même Jean Tour, ou capable, dans 20 ans que ça se passe là pas jamais au monde qui dirige en Haïti pour question de drogue. Alors que dans le rapport et comité sanction, il dit que drogue est très présent et en Haïti. Et qui ça, drogue, bah, ou avec blanchiment d'argent? C'est gang qui est bah, ou. C'est crime qui est bah, ou. C'est insécurité, c'est kidnapping. Ou pas capable de changer un pays avec bandit, non? Et ou Guy Philippe pas rien capable de faire la loi, à faire mon leçon, alors que
et ou tromper population grande dans ça ou qui toujours dit qu'on va prendre pour arriver aux États-Unis ou dit oui moi connais de l'ambiance il reconnaît que c'était un blanchiment d'argent avec drogue sur territoire américain et qu'on y a cru au et lui n'a déporté ni et puis qu'on y a ils sont monde qui a bataille contre corruption la libérer pays oui lui c'est vrai tout le monde connaît parce que Philippe comme délinquant il est capable de là mal là il font coalition avec GNF et allié ou bien GPEP et puis BESAP et pour les déstabiliser pays et c'est dans ça il faut mais qu'on y est là allô non là non là et mais qu'on y est là moi-même moi dit que moi-même me dit mon talenté et du fil cap qui était mon entrée sous lui cap utilisé lui il a utilisé et puis après ça c'est au même encore cap livré lui et quand Michel lui même il a toujours bon comportement délinquant en jeunesse et quoi qu'il y a il se dit je lui honnête que il en drogue il en blanchiment l'argent il tournait là il voulait faire même bagaille il a fait menace avec intimidation mais faut Michel connaît et c'est pas même mon tourné lui qui a pensé c'est même pour nous mais c'est pas même mon yo pas le même gens et mon pas le même gens et c'est pour mal monsieur les monsieur a fait ça l'a fait là comment ça pour mal lui eh ben moi dis nous oui monsieur même mon ça au cap boy monter pour lui c'est au même encore cap livrer c'est ça me dit nous oui c'est ça et on encore cap livrer cap livrer il a utilisé et puis au niveau yo connaît délinquant lié qui tout devant scène là et son petit vagabond petit délinquant il a utilisé et puis il s'est avec lui et puis après ça au niveau même au niveau là c'est au niveau OK qui position et on dit nous au niveau NDDH par exemple et bon qui position sur Guy Philippe non m'a parlé de 2004 par exemple. Et puisque, comme vous êtes relaté là, donc 2004, Guy Philippe Potko, dans la question, Potko condamné, ni arrêté pour question drogue. Parce que quelqu'un m'a dit. Ah, vous avez demandé une petite position, moi, elle a dépensé dans le cadre de la société. Ah, non, position société à condamner, Guy Philippe condamné. Là, Guy Philippe entre Potko en 2004, il rentre, il débarque dans la RNDDH, il va arrêter pas. OK? OK. Là, ça ne peut pas changer, nous, de RNDDH. Et nous avons NCH. OK. Yeah. Mm-hmm. Donc, voilà. Nous ne pouvons pas recevoir pour qui ça? Pas recevoir. Je pas dire que l'autre monde ne doit pas recevoir, non, mais moi-même pas recevoir. Je pas jamais une relation avec Guy Philippe, ni avant l'entrée Port-au-Prince, avant Aristide d'aller, ni les lieux entrées Port-au-Prince. Je ne pas prendre des liens bandit comme modèle. Ça va pas sembler avec moi. Il n'y a pas en contradiction avec ça m'a prêché. Ça m'a parlé. Vous me répondez à la question? Oui. Pour finir, M. Okay. Espérance, je dis à la gamme qui croit que si ce n'est pas diversion, si ce n'est pas distraction oui. Que Guy Philippe a fait avec ces déclarations, que c'est un monde qui est en mission. Est-ce que je dis à nous... Guy Philippe n'a aucune mission. Il n'a aucune mission. Aucune. Pas aucun pays étranger, Canada, États-Unis, Nations Unies qui va dire qu'il n'y a aucune mission pour faire là. Rien. Ok. Donc, on y a là. Et si il y a une mission aux États-Unis, il n'y a pas de mission là, il y a ça. Eh bien, ok. Et ça, qui sont qu'à dire, et ce monde qui fait considération ça, qui fait que je dis à la Andy, effectivement, la Constitution et puis éventuelle loi électorale qui pourrait, mais décret électoral qui pourrait publier là pour prochaine élection. T'as pas servi de obstacle ou bien t'as empêché Guy Philippe passer dans l'élection. Est-ce que là, au parage de Guy Philippe tout, qu'il est même par rapport avec la compétence de l'autre leader, on sait de l'autre groupe politique dans le pays, a fait des travaux pour eux avec des moyens que le gagne, notamment question de ça que vous avez parlé, pour permettre que les propulser, on voit de l'autre monde, soit retourné sous pouvoir ou bien prendre pouvoir. Mme Marais, des dernières élections, c'est Haïti fait, élection générale. 2010-2011, 2015-2016 qui finit et janvier 2017. Et ces mauvaises élections, ça y est, qui mettent le pays à la Katou Boumbe qui est là. Élection, c'est un exercice démocratique.
qui permet aux citoyens de choisir et librement, sans parler des âmes dans les oreilles, sans parler de pression et dans les mains et sous eux, pour choisir les gens qui peuvent représenter eux, députés, sénateurs, etc., présidents. Moi-même, ça m'a dit, conseil m'a dit à la société, hein, si vous voulez, parce que moi-même, je suis un simple citoyen, et je n'ai pas de puissance là, je n'ai pas de puissance qu'on gagne, ou même qui n'a pas de. Et si Haïtien, voulez changer le pays, il faut que vous vous pour une élection libre, honnête, dans le pays. C'est seule façon ça qui est capable de répondre aux questions. Et mais m'a dit Philippe et en tant que monde qui existait au niveau politique ils sont cadavres, ils perdent droits civils et politiques. Et moi c'est un monde parmi et bonne haïtien qui gagne dans le pays. Moi-même, ma baille contribution par moi, moi pense tout, faut que société, à travers l'organisation, yo, et la société, faut que yo même tout, yo joue, et rôle par yo. Pour moi-même, ça m'a dit, yo, pas capable, son contribution qui me baille, pas capable de changer pays. C'est pour chaque monde, et réfléchir, qu'on est, et qui pays, que yo vle. Par exemple, l'or mon yo dit comme ça, ah pays a pas bon, pays pas bon. Mais qui sont fait et pour retirer pays a dans état qu'il y a. C'est chaque monde qui peut jouer rôle pa yo. Donc si m'te yon Patrick Moussia ou bien m'te yon Gaye Diesel ou bien m'te yon Johnny fait, dit non m'te ka fait plus. C'est pas ça monsieur. Même pas gagne, pas gagne pas gagne. Ou bien dans moto, va nous va. Passe ça. Ou bien tibay dans moto. Regardez, m'pa puissant, j'en ai puissant monsieur. Et puis, ou pipi ça. Ou pipi ça, ça ne quoi ça. Ah, mais monsieur, pas nous faire type de radio, pas tout le monde pays. Et tout le ok. En tout cas, monsieur Espérance, Bakode, nous, ouais, en partie, ou bien, et nous, ouais, essentiellement, ça, ça me dit, ouais, matin, on a simplement dit, merci, nous, t'es content de faire parler ça avec vous. Ah, même bien content, parce que je pense que nous ne pas ça pour diffuser des plans, bien content, nous pas moins, parce que. Et moi, nous traiter dans la question sécuritaire. En tout cas, merci. En pile courage. En pile courage. Situation extrêmement difficile. Et mettre condamné pour nous aider la population, pour nous informer et éduquer la population. En pile discipline. Bon travail. Merci en pile. Voilà, madame, monsieur.